Bien sûr, tu me rêves à la bouteille avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. Il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Cette semaine, nous allons un peu parler du début de l'esclavage des Béni Israël en Égypte. Alors, tout d'abord, tout commence lorsque Yosef, le tzaddik, il est devenu roi en Égypte et il a préparé la venue de ses parents en Égypte. Alors, vous savez comment Akash Baruch Hu fait les choses. Vous savez qu'Akash Baruch Hu, il peut rendre la personne riche. Et en un seul moment, il peut devenir pauvre. Un homme qui peut être inconnu, et soudainement, il peut devenir célèbre dans le monde. Quelqu'un qui est prisonnier, et du coup, la liberté. Vous m'excusez. Vous savez, c'est Akash Bohu. On dit Akash Bohu, il grandit les gens. Akash Bohu, il peut affaiblir les gens. On a vu Youssef HaTzadik, il était prisonnier. À vie. À l'époque, quelqu'un qui était prisonnier, quelqu'un qui était esclave, c'était un esclavage à vie. Et regardez, par où il a fait un rêve, personne ne pouvait lui traduire le rêve. On lui a dit, un juif qui sait traduire les rêves, on l'amène d'urgence, il traduit, et tout de suite, Paro, il le nomme roi. Il lui a dit, selon ton rêve, que tu as expliqué, et ça se voit, que ce que tu dis c'est vrai, parce que tu m'as donné beaucoup de détails dans le rêve que j'ai oublié de te dire que tu me les as dit et que mettons moi je me suis rappelé. Donc tu as dit qu'il y aura la famine, il y aura l'abondance. Alors on commence par toi qui vas gérer les années de l'abondance. Et c'est toi qui vas gérer les années de la famine. Parce qu'il n'y aura personne qui peut gérer comme toi. Ah, maintenant, la question que je vous pose, c'est beau. En un seul coup, Hachem il a renversé la situation de Youssef. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, comment est-ce possible que Paro il croit à Youssef? Il se peut que Youssef lui ment. Comment? Vous savez, c'est facile de raconter des histoires, mais il faut voir, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'on peut les croire? Et les rêves que Pharaon il a rêvé, que Youssef a traduit, c'est des rêves qu'on ne peut pas imaginer, c'est une imagination. Il lui dit, t'as rêvé 7 vaches qui sont grosses, t'as rêvé 7 vaches qui sont maigres, et les 7 vaches maigres, ils ont avalé les grosses. Vous savez, quelqu'un qui me raconte cette histoire, je rigole. Je rigole. Eh bien, il lui dit encore, tu as rêvé des tiges de blé, oui, des tiges de blé, 7 tiges de blé, belles, très très belles, et tu as rêvé qu'à côté des tiges de blé, 7 tiges maigres, et les 7 tiges maigres, ils ont avalé les grosses. Et après, lorsqu'on voit les vaches maigres, ben, ils sont redevenus comme qu'ils étaient. Ça veut dire que si une vache maigre, elle avale une vache grosse, elle devient grosse. Non, elle restait maigre. Alors comment, ça c'est les rêves de Pharaon, ça l'a perturbé. Comment Youssef l'a expliqué? Eh ben, ça va être 7 vaches qui sont grosses. C'est-à-dire, il va y avoir l'abondance, il y aura beaucoup de manger,
Et puis, il va avoir les sept vaches maigres qui vont les avaler. Ça veut dire, il va venir sept années très maigres. Il y aura beaucoup de famine et il y aura tellement de la famine que on va oublier les bons moments qu'il y avait l'abondance. Mes amis, Youssef, comment? C'est la façon comment lui il a expliqué à Pharaon, comment Pharaon il a accepté. Pharaon il a accepté le rêve. Vous savez qu'est-ce que Pharaon il dit? Il dit à tout le monde, est-ce que vous avez vu un homme aussi intelligent que celui-là? Est-ce que vous avez un homme que Dieu est avec lui? C'est bizarre. Vraiment, mes amis, c'est bizarre. Tout d'abord, Pharaon, il n'est pas croyant. Pharaon ne croit pas en Dieu. Pharaon, à cette époque-là, il se prenait pour un Dieu. Et Youssef HaTzadik, il lui parle du bon Dieu. Il lui dit, Hachem, il t'a fait rêver ce rêve parce que voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Il n'y a que c'est Hachem qui m'a mis dans ma tête pour que je t'explique ce rêve. Alors que Pharaon ne croit pas en Dieu. Soudainement, Pharaon croit en Dieu. Alors, Pharaon dit à Youssef, et pourquoi j'ai fait le double rêve? Et Youssef lui dit, parce que Hachem, il veut vraiment apporter cette malédiction. Alors c'est pour ça, lorsque tu l'as rêvé deux fois, pour te confirmer et t'affirmer, Hachem, il veut te confirmer et t'affirmer que voilà ce qui va se passer. Et Pharaon, qui est idolâtre, Pharaon qui ne croit pas en Dieu, soudainement il croit en Dieu. On a vu dans la paracha que l'Égyptien ne mangeait pas la viande avec les Juifs. Parce que les Juifs, ils mangent la viande parce qu'ils ne croient pas dans la viande qui est Dieu. Et l'Égyptien, pour eux, la viande, c'est les animaux, c'est des dieux, ils représentent Dieu. Donc on voit très bien que les Égyptiens ne mangeaient pas la viande. Alors comment quelqu'un qui ne croit pas dans le Dieu, quelqu'un qui croit en un autre Dieu, il va croire à Youssef? Comment vous expliquez ça? Et du coup, voilà, Youssef est devenu roi. Voilà. C'est très dur à expliquer cette histoire-là. Vous savez, mes amis, c'est ça la Torah. La Torah, c'est d'essayer de comprendre même l'histoire. Parce que de l'histoire, on comprend la grandeur de Dieu. Parce que Dieu, comment on va croire en lui? Alors, ce qu'on voit, ce qu'il fait, la façon, c'est des messages. On voit des messages. Je voudrais vous raconter quelque chose qui est extraordinaire. Hier, j'ai appelé et je recevais les gens. Et il y a une femme qui se plaint sur son mari. Parce que son mari, toujours, lorsqu'il conduit, Toujours, il voit le rétroviseur. Toujours. Il passe plutôt son temps à voir ce qui se passe derrière lui, dans la route derrière lui, le rétroviseur, au lieu de voir en face. C'est très dangereux. Alors, elle n'a pas pour son mari, elle aime son mari. Elle me dit rapidement, vous pouvez lui parler. Qui voit, lorsqu'il conduit, qui voit en face. La route, c'est en face, la route, c'est pas derrière. Et c'est vrai, de temps en temps, il faut voir ce qui se passe derrière, mais pas tout le temps. Et il voit que tout le temps derrière. Avec le rétroviseur, il voit derrière. Alors, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, malheureusement, au lieu que les gens, ils passent à la... toujours... qu'ils voient devant eux... Vous savez, dans la vie, il faut kadima, il faut avancer dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas reculer, c'est vrai. On pense au passé pour mieux faire à l'avenir.
au présent. Mais il ne faut pas toujours penser des choses qui sont déjà passées. Il faut toujours... c'est vrai. Et j'apprends de Abraham, Isaac, Yaakov. J'apprends de mes grands-parents beaucoup de bonnes choses qui se sont passées pour les mettre à l'avenir, pour les vivre au présent. Mais il ne faut pas que je vive dans le passé. Vivre dans le passé, c'est voir derrière moi, c'est voir le devant, il faut avancer dans la vie, il faut pas reculer dans la vie. Et, mes amis, vous savez, au même moment que le couple, ils sont sortis, ben, il y a mon fils Rabbi Raphaël qui m'appelle. Et puis je lui dis ça. Il me dit, papa, pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, étant donné que je viens d'écouter ce problème, et toi tu m'appelles, alors je lui dis, peut-être c'est un message. Lorsque tu conduis, il faut dire au chauffeur de toujours de conduire ce qu'il conduit, tout ce qu'il voit en face, derrière, de temps en temps, pour prendre des repères, pour voir que tout va bien. Mais il faut voir toujours en face. Lorsqu'on conduit, on voit en face. Je lui dis, papa, merci beaucoup, parce qu'on prend la route maintenant de Marseille à Lyon. Donc c'est un bon message, papa, je vais lui dire, qu'il fait attention. Oui, mes amis, tout ce qui se passe, c'est... Il y a un message. Ah, bien sûr, mes amis, ce message-là de ces deux rêves qu'il a rêvé par haut, et que Youssef, le juif, il lui a expliqué, et que par haut, qu'il est idolâtre, il les croit. C'est un message pour nous. C'est quoi le message pour nous? Ben Hachem. Lorsque Hachem il veut ouvrir la tête de quelqu'un pour qu'il croit en lui, il peut. Hachem, c'est le patron. HaKadosh Baruch Hu, c'est le patron. HaKadosh Baruch Hu, il est capable de changer les situations. Vous vous rendez compte? Un Youssef croyant, un Youssef qu'il était jusqu'à maintenant esclave, il était dans un trou d'une prison pendant 12 ans, soudainement maintenant, il est en face. Le grand roi, l'un des rois des rois, qui est un peu affolé à cause des rêves qu'il avait, et il y a un juif esclave qui lui dit, eh ben, ton rêve, c'est le bon Dieu qui te l'a fait rêver. Et si tu l'as rêvé deux fois, c'est parce que le bon Dieu te fait confiance et le bon Dieu, il veut réaliser ce qu'il t'a révélé dans le rêve. Alors, à toi, par de faire attention, à toi, par maintenant, de prendre conscience, à toi, par d'être responsable de comment gérer les Satan d'abondance et les 7 ans de la famine, parce que si vous n'avez pas du stock pour les 7 ans de famine, toute Pharaon et tout l'Égypte, elle va mourir, ils vont tous morts. Et Pharaon y croit. Eh bien, mes amis, Hachem, il veut nous montrer que lorsque le moment de la liberté de Youssef est arrivé, Hachem, il peut faire changer les situations, il peut faire croire à des non-croyants à ce que Youssef va dire. Pour que Pharaon, lui, avec toute sa force qu'il a, il va dépendre maintenant que de Youssef. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoutez bien, mes amis. Vous savez qu'à l'époque, les Égyptiens ne mangeaient pas la vache. Ils ne mangeaient pas les animaux. Ils vénéraient les animaux. Alors moi, je me suis posé une question. Et c'est quoi la question que je me suis posée? Pourquoi le bon Dieu, il a fait que Pharaon il rêve des vaches? Pourquoi Hachem n'a pas fait que Pharaon, il rêve des fleurs, des belles fleurs,
et qui avait à côté de lui cette très belle fleur, et à côté de lui, à côté de cette belle fleur, il va avoir cette mauvaise fleur, et les sept mauvaises fleurs, ils vont avaler les sept belles fleurs. Pourquoi Paro, il arrivait les vaches? Cette belle vache et cette vache qui sont moches. Quelle est la part? Pourquoi les étiges, le blé, on comprend. Parce que ça parle de la, comment ça s'appelle? Ça parle de la famine. Parce qu'on vit avec le blé. S'il n'y a pas de pain, on ne peut pas vivre. Vous savez, s'il n'y a pas de blé, c'est qu'il n'y a rien du tout. Donc, ce qui pleut, ben, c'est pour le blé. C'est le blé, c'est la nourriture. C'est ce que les animaux, c'est ce qu'ils mangent. Vous savez, que Dieu préserve, s'il n'y a pas du blé, c'est la fin du monde. C'est qu'il n'y a pas d'herbe, c'est qu'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il n'y a pas d'arbres, c'est qu'il n'y a rien du tout. Je comprends que le blé a une liaison avec la famine. Il va y avoir 7 ans de famine plein de blé. 7 ans, il n'y aura pas de blé. Et 7 ans d'abondance, qu'il y aura du blé. Donc, on comprend. Mais les vaches, ben, mes amis, vous savez pourquoi Youssef al-Sadique, il a réussi à expliquer à part son rêve. Il n'a pas eu peur de lui dire, eh ben, c'est le bon Dieu, il parle là du bon Dieu. C'est pas Youssef al-Sadiq, c'est al-Sadiq. Parce que Youssef al-Sadiq, lui-même, il s'est posé cette question. Youssef al-Sadiq, il s'est posé comme question. Mais pourquoi Pao, il arrivait cette vache, cette belle vache, et cette vache qui sont moches, et les 7 vaches moches qui ont avalé les 7 belles vaches qui sont grosses et tout. Pourquoi il a rêvé les vaches? Pourquoi il n'a pas réveillé des fleurs? Cette belle fleur qui a été dévorée par cette fleur qui sont moches. Pourquoi il n'a pas rêvé ça? Mes amis, Youssef al-Sadiq, il a compris que ça, c'est un rêve d'Hachem. Hachem, il lance un message à Pharaon. Parce que l'Égyptien et Pharaon, en premier, ils vénéraient les animaux. Ils vénéraient les animaux. Donc c'est la raison pourquoi, ça veut dire que pour lui, pour Pharaon, la vache représente Dieu. La vache représente Dieu. Et les étiges, le blé, ça représente la nourriture. La nourriture. Maintenant, ce qui l'a perturbé Pharaon, la vache qui représente Dieu, une belle vache, qu'elle soit dévorée par une vache qui est moche, qui est maigre, et qui reste maigre, ça, il n'a pas compris. Lui, dans sa tête, la vache, c'est Dieu. Et de plus que la vache, elle est belle, alors la grandeur de son Dieu, elle est belle. Mais il n'a pas compris. Il a compris comment une vache moche, elle avale une vache belle. Et ce n'est pas la vache belle, grosse, qu'elle avale la moche, qu'elle est maigre et petite. Ça, c'est ce qu'il n'a pas compris. Mais la vache représente Dieu. Alors, le Dieu qui est beau, qui est gros, qui est grand, il se fait dévorer par une petite vache maigre. Ça, il n'a pas compris. C'est pour ça qu'il y a Youssef al-Sadiq qui lui a dit, il lui dit, Pharao, maintenant, tu vas mettre de côté ta émouna, tu vas mettre écouter, tu vas mettre ta foi dans la puissance des vaches, Dieu, de côté, mais toi tu vas m'écouter. Mais toi tu vas écouter le vrai message du bon Dieu. Laisse tes dieux. Laisse tes dieux. Tes dieux, tu regardes, ils sont pas valables. Ils sont pas valables. Des dieux maigres qui avalent des dieux grosses. C'est pas logique. C'est pas logique. Ton rêve, ça parle de la famine. Les vaches qui mangent le blé.
il va avoir 7 ans d'abondance. 7 ans de blé. Il va avoir de l'abondance. Les vaches, ils vont grossir. Mais après, la famine va venir. Et Paro, il a compris. Il voit Yosef. Il voit une vérité en face de lui. Parce que Yosef, il sait que devant lui, il y a un roi qui n'est pas croyant. Donc, Paro, il se dit, mais Yosef, il devait faire attention comment il me parle. Il sait que moi, je ne suis pas croyant. Et en plus, il est en train d'humilier mon Dieu. Il dit que mon Dieu, qui est la vache, et se fait dévorer par des vaches qui sont maigres, et qu'il va avoir, en conséquence, il va avoir la famine. Et il n'a pas peur de me parler comme ça de mon Dieu. Ben, s'il n'a pas peur de me parler comme ça de mon Dieu, c'est que ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, alors, on va le mettre à l'épreuve. Mes amis, ça c'est Hachem. Au moment qu'Akash Baruch Hu, il va envoyer la délivrance à quelqu'un, Akash Baruch Hu, tout de suite. Vous savez, mes amis, il y a cette semaine, j'ai reçu une femme de Chicago que, après des dizaines d'années qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et grâce à Dieu, elle a eu 2 enfants. Et il n'y avait pas d'espoir. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui a donné des enfants. Les messieurs ne comprennent pas. Je vous raconte une autre histoire. Il y avait un autre qui n'avait pas de papier en Amérique. Et le jour qu'il devait rentrer chez lui, après quelques années restées en Amérique sans papier, sans rien du tout, sans mariage, sans rien, perdu. Et je l'avais vu l'année dernière. Et je lui avais dit, mon fils, retourne au Maroc. Parce qu'il est d'origine du Maroc. Ici, tu vois là, tu as 35 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, tu n'as rien du tout. Ça fait 7 ans que tu es là. Retourne au Maroc. Mais il me dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes copains? Entre-temps, ils ont fait des affaires et mes copains, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Et moi, voilà, j'arrive. Quelle honte. Alors qu'il y a 7 ans, je travaillais avec mon père, j'avais une belle voiture. Et soudainement, j'ai eu un coup sur la tête que je vais devenir l'Américain milliardaire. Et le rêve de venir ici avec une Ferrari, etc. Je dis, écoute-moi, mon fils, oublie ta Ferrari, oublie tout. Retourne à la raison. Vois en face toi. Ne vois pas derrière toi. Ça y est, tu as fait une bêtise, mais retourne. Et j'ai vu qu'il hésitait. Je lui ai dit, écoute, on va faire toi et moi un deal. Tu mets une tefiline. Tu pries, il me dit non. Tu manges le kasher, il me dit non. Et tu fais Shabbat, il me dit non. Alors je lui ai dit, on a dit, moi, que tu fais quoi? Il me dit, je fais rien. Je lui dis, comment tu fais rien et, comment, tu es marocain, tu es d'origine du Maroc. Et il me dit, Rabbi David, je suis venu en Amérique et je voulais vivre à l'américaine et je voulais me déconnecter du passé. Et voilà, maintenant je me trouve sans rien et maintenant je ne sais pas quoi faire. Et voilà, maintenant je me mets entre les mains du bon Dieu et je me rappelle lorsque... Et la communauté juive au Maroc, ils allaient à Rabbi Amram Diwan, ils allaient à Bihya al-Khadar, ils allaient pèleriner Rabbi Hin Pinto, Rabbi David Ben Baruch. Et maintenant, toutes ces idées-là me viennent à la tête. Et je dis, ben ça, voilà, c'est la preuve que le bon Dieu veut que tu retournes au Maroc. Il me dit, Rabbi David, je suis d'accord avec vous, mais je veux devenir quoi au Maroc? Et la honte, comment
Il n'y a pas de femmes là-bas, il n'y a pas de filles, il n'y a pas des filles à mon âge, il y a peut-être que des filles de 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, tu sais, mon fils, maintenant, tu es perdu. Tu es perdu. Oui ou pas? Il me dit oui. Je dis, tu sais, mon fils, et mes amis, je vous raconte la vérité. Hein. Ça s'est passé l'année dernière, à l'époque de l'histoire de Youssef HaTzadik. À l'époque de l'histoire de Youssef HaTzadik, il était en prison, à vie, esclave, il n'a rien espéré, fini pour lui. Et en une seconde, le bon Dieu lui a ouvert les portes. Et en une seconde, la liberté. Comme un pauvre qui joue le loto, et soudainement lui dit que tu as gagné $1 milliard. En une seconde, tu es devenu milliardaire. Là aussi. En une seconde, Youssef est devenu roi. En une seconde, Pharao, il est perdu, il est entre ses mains, et c'est Youssef qui lui traduit le rêve à sa façon. Pharao qui ne croit pas en Dieu, soudainement commence à croire en Dieu. Pharao, qui est intelligent, il aurait pu dire à Youssef, mais tu dis des bêtises. Quoi, mon Dieu? La vache, parce que l'Égyptien vénérait les vaches. Quoi, mon Dieu, la vache, elle va être une grosse vache, une belle vache. Cette belle vache qui sont avalées par des petites vaches moches et mauvaises. Tu me racontes des bêtises. Et tu me dis, voilà, ton Dieu, c'est pas ton Dieu, il n'y a rien. Comment tu parles du mal de mon Dieu? Et Youssef, c'est un homme droit. Il a dit la vérité. Et dans cette vérité, il y avait la vérité. Et Hachem, il a fait l'impossible, il a rendu possible. Pharao qui ne croit pas en Dieu, il a commencé à croire en Dieu tout de suite. Pharao qui croyait dans les vaches, qu'ils avaient un pouvoir, il ne croit plus en eux maintenant. Et c'est fini. Et j'ai commencé à lui parler de ça. J'ai dit, mon fils, écoute-moi, change. À l'instant que je te parle, tu es comme Pharao qui ne croit en rien. Commence à mettre une filine. Commence à manger cachère. On va se donner 3 mois. Retourne à ta source. Viens ici à la synagogue. Je l'ai présenté à rabbin. Viens, un petit cours de Torah. Après 3 mois, 80 jours. Si ça ne va pas, retourne au Maroc. Ici, Hachem t'ouvre une porte, alors tu restes. Mes amis, il y avait le fait qu'il a eu une bonne éducation au Maroc, que ses parents ils lui ont ancré la foi des tzadikim dans son cœur. Il me regarde, il me dit, Rabbi David, je me rappelle, lorsque ma mère elle me prenait à Béhia al-Khadar. Je me rappelle lorsque maman elle me prenait à Rabbi Amra ben Diwan. Je me rappelle lorsque ma mère. Soudainement, tous les belles souvenirs, ils arrivent. Et je me rappelle, lorsqu'on faisait Pessah, on allait à Marrakech pour Pessah. Il commençait à me raconter des. Soudainement, il s'est connecté avec son passé juif. Et puis, mes amis, cette année, je le revois avec une femme, je l'ai reconnue, je lui dis, dis-moi, c'est toi le juif marocain à qui j'ai conseillé de retourner au Maroc. Alors, et on a fait un deal de 3 mois, il a commencé à rigoler. Je lui dis, Rabbi David, j'ai respecté le deal à la lettre. À la lettre. Et après 3 mois, rien ne s'est passé. J'étais toujours pauvre, sans femme, sans travail, sans green card, sans rien du tout. Et j'ai écouté ton conseil de retourner au Maroc. Et mes parents, ils étaient contents que je retourne au Maroc. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vais à l'aéroport. Et j'ai pris l'enregistrement
je devais passer la police. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, un ami que j'ai pas vu des années. Alors on s'embrasse, on part, qu'est-ce que tu fais, je retourne au Maroc, qu'est-ce que tu faisais là? Eh ben, voilà, je retourne parce que j'ai pas de carte, j'ai pas ça. Ah bon? Attends, tu sais, je viens de commencer une nouvelle affaire. Est-ce que... C'est bon, Hachem, grâce à Dieu, le bon Dieu t'a envoyé. Toi, je te connais, je sais, tu es un homme bien, je connais tes parents, on est tes copains. Viens, on travaille ensemble. Tiens, viens, on travaille ensemble. Et je connais celui qui m'a fait ma green card, il peut te la faire toi aussi. Il a des connexions, ça va vite avec lui. Il a commencé, alors tout de suite, le rêve américain. Il a commencé à... Maintenant, le pauvre celui-là, il ne savait pas quoi faire. Maintenant, il a le billet, il a le boarding card pour rentrer. Et tout est fait. Et soudainement, les portes s'ouvrent. Je lui dis, mais j'ai pas où dormir. Je t'arrange tout. Alors, grâce à Dieu, tu parles bien l'anglais. Et j'ai besoin de toi. Parce que moi, je suis nouveau en Amérique et grâce à Dieu. Mais vraiment, le bon Dieu t'a envoyé. Et tu sais, maintenant, je dois voyager à Washington. J'ai une affaire à signer. Voilà, si tu veux, viens, on voyage ensemble. On voyage ensemble. Au lieu que tu voyages au Maroc, voilà, le royal. Viens, on voyage ensemble. Mes amis, je l'ai vu cette année. Grâce à Dieu, il va se marier. Baruch Hashem, il travaille. Sa green card, bientôt, il va la recevoir. Et Baruch Hashem, il est devenu maintenant à 50% associé dans cette belle société qu'elle marche. Il m'a même donné 2 600 $. Pour qu'il me donne 2 600 $, c'est que grâce à Dieu, son affaire, elle marche. Il me dit, Rabbi David, merci. Je dis, rien. Tu as fait ce que Youssef HaTzadik il a fait. Youssef HaTzadik il avait l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Toi aussi, c'est ce que tu as fait. Youssef HaTzadik, de la prison, il est devenu roi. Toi aussi, d'un renvoi où tu devais y aller, pauvre, sans femme, sans rien, à Kadosh Baruch Hu, il t'a changé ta situation en une minute. Vous savez qu'est-ce que j'ai vu hier? Quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais en train de recevoir les gens. Il y a un homme qui vient chez moi pour demander une bracha pour le mariage. Il a 38 ans. Il sort de mon bureau. C'est une jeune femme qui rentre, qu'elle a 32 ans. Une bracha pour le mariage. Et je lui dis, madame, tu connais le monsieur qui vient de sortir? Elle me dit, il était pressé parce qu'il doit aller au travail. Et moi, je devais rentrer avant lui. Il m'a demandé si je pouvais le laisser rentrer en premier. Et j'ai appelé le secrétaire. Je lui ai dit, celui qui est sorti, mais tu as son téléphone? Il me dit, oui, j'ai son téléphone. J'ai appelé le qui vient tout de suite. Et ben, il a appelé. 10 minutes plus tard, il est retourné. Et moi, j'ai pris mon temps. J'ai discuté avec la fille. Le monsieur, il rentre. Et je le vois. J'ai écouté. Tu es venu pour une bracha pour le mariage. Toi, tu es venu pour une bracha pour le mariage. Je ne sais pas. Tu lui as demandé ta place. Et tu as donné sa place. Alors, peut-être, voilà, je vous fais le chidour. Toi, je ne te connais pas. Elle, je ne la connais pas. Mais, je sais une chose. Que vous deux, vous êtes, je vois d'après la kippa, je vois d'après votre allure, vous êtes des gens religieux qui croient en Dieu. Je vous félicite. Mes amis, le soir, les deux sont venus chez moi. Donc c'est moi qui félicite. Il s'avère que je connais les parents du garçon. Parce que les parents du garçon, ils sont venus. Rabbi David, on connaît la famille. Et c'est vrai qu'ils se connaissaient la famille. Ben voilà, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'inattendu. Vous savez, parfois,
on est désespéré. On est désespéré, comme encore une histoire. Une femme, la pauvre, qui a trouvé des polypes dans la coloscopie qu'elle a fait, elle devait faire une opération. Mais il y a une attente. Et la pauvre était stressée. Il y a de la famille qui l'ont stressée. La pauvre, elle vient chez moi, elle pleure, elle ne sait pas quoi faire. Ben, vous savez quoi? Je lui dis, madame, je connais quelqu'un qui était chez moi cette semaine, et lui, c'est un chirurgien, et lui, il fait les radios des intestins, il est expert. Je vais l'appeler. Je l'ai appelé. Vous savez, me dire, Rabbi David, ce mois-là, c'est vraiment, il n'y a pas de place, mais je trouvais une place pour la jeune femme là que vous allez m'envoyer. Vous voyez, mes amis, comment les choses à Kajoro, il arrange. C'est des choses qu'on comprend. Mais je raconte une autre histoire. Ma soeur, Marcel, la fille à ma soeur, elle est mariée avec quelqu'un qui s'appelle M. Nasser. C'est un Syrien, un juif syrien. Et sa mère était malade l'année dernière et il a donné un gros don pour la santé de sa mère. Mais sa mère, elle est morte. Malheureusement, sa mère, elle est morte. Alors, Shabbat dernier, on a passé Shabbat ensemble. Un groupe des gens, on était tous ensemble. On a fait un beau Shabbat. Et le pauvre, de loin, je le voyais. Lui aussi était là avec... Entre-temps, Baruch Hashem, il a un fils. Et il était en train de... Il était peiné. On voyait, il a perdu sa mère. Elle était jeune. Et on voyait la peine. Et j'ai dit, Hashem, c'est Shabbat. Aide-moi à ce que je lui dis quelque chose pour apaiser un peu sa tristesse. Aide-moi à Kadosh Baruch Hu. Bon Dieu, aide-moi. Alors je l'ai appelé. Je lui ai dit, Shlomo, comment ça va? Il me dit, bon Hashem, ça va. C'est pas facile, ça va. Il me dit, je voudrais que vous me disiez quelque chose pour me consoler pour ma mère. Je lui ai dit, mon fils, tu sais, j'étais en train de te voir et j'ai réfléchi que la meilleure chose et la plus belle chose que tu peux faire, c'est de faire des livres, d'imprimer des livres à la mémoire pour ta mère. Parce que ta mère, elle est à Gan Eden, c'est parce qu'elle a souffert. Même si elle a fait des fautes, le bon Dieu lui pardonne les fautes. Alors, je pense, il faut faire ça. Presque, il s'est évanoui. Alors, il y avait des gens à côté de moi. Alors, on lui dit, ça va? Il me dit, Rabbi David, merci beaucoup. Je dis, pourquoi? Il me dit, avant que je suis venu vous voir pour vous souhaiter Shabbat Shalom et boire un Lehaïm avec vous, j'ai pensé de ma tête, j'ai dit, peut-être je vais demander à Rabbi David quelque chose je vais faire, qu'est-ce que je peux faire pour la mémoire de ma mère. Et je vais voir ce qu'il va me dire. Peut-être des livres. Il me dit, Rabbi David, c'est ce que j'étais en train de penser et c'est ça ce que vous m'avez dit et je ne l'ai dit à personne. Au moment que vous m'avez appelé, j'étais en train de penser ça. Alors je lui ai dit, mon fils, tu vois, c'est de là qu'on voit que c'est Hachem qui gère le monde et c'est Hachem qui décide tout. Regardez, il était peiné, il voulait faire quelque chose à la mémoire de sa mère, mais il voulait voir qu'est-ce que moi j'allais lui dire, parce que je l'ai appelé. Et je lui ai dit exactement ce qu'il pensait faire pour sa mère, je lui ai dit. Regardez comment Hachem, il envoie des messages. Et grâce à Dieu, après, il était heureux, il était content, il a passé un bon Shabbat, et grâce à Dieu, ça, il s'est calmé. Mais, mes amis, pourquoi je vous raconte ça? Je ne vous raconte ça, pas ça pour me vanter. Non, je n'ai rien à me vanter. C'est le monsieur qui a fait une prière, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ma tête, un message que lui dire. Et bon Hachem, ça a réussi. Ça a marché. Mes amis, Hachem, il a tous les pouvoirs. Hachem,
il a la clé, la clé de tout. Il faut se connecter avec lui, c'est tout. La clé de tout, il a. Regardez, mes amis, Youssef HaTzadik, il était vraiment, son histoire, elle est... Mais toi, je vous pose une question. Comment est-ce possible que Youssef HaTzadik, il est resté juif en Égypte? Comment? Avec toutes les tentations qu'il avait été seul, un seul juif dans un pays, était esclave. Il avait tout pour être heureux, si vous voulez. Il était beau, il était un bon travailleur. Il pouvait acheter sa liberté. Il était intelligent. Il pouvait diriger une société de 1 million de personnes. Très intelligent. Regardez la preuve, comment il a dirigé le monde entier pendant les 7 ans de la famine. Alors pourquoi Youssef HaTzadik qu'il est resté? Il voulait rester esclave. Il a cherché à rester esclave. Il n'a pas cherché à se sauver. Comment? Youssef HaTzadik qu'il avait l'émouna en Dieu. Youssef HaTzadik qu'il a dit, si je suis en prison, c'est parce qu'Hachem voulait que je sois en prison. Ce n'est pas la peine que je trouve des moyens pour me sauver. Le moment que Hachem va trouver pour moi la solution pour que je sois un homme libre, alors je serai libre. Alors, il avait l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est grâce à cette émouna qu'il avait en Dieu, à la fin, le bon Dieu lui a triplé sa récompense. En un clin d'œil, il est devenu le grand pharaon de toute l'Égypte. C'est la folie. En un clin d'œil. Mais comment il a résisté à rester tzaddik en Égypte? C'est pourquoi? Parce qu'il était toujours connecté, branché avec le bon Dieu. Il voyait que le bon Dieu en face. Il voyait que le bon Dieu en face. Tout le temps, Hachem, Hachem, Hachem. Toujours il était connecté avec Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Il n'y a que Hachem, il n'y a que Dieu, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et tellement qu'il était convaincu qu'il y a un seul Dieu, c'est Hachem, c'est le Dieu invisible, celui qu'on ne peut pas voir. Le Dieu des dieux, celui qui a créé le monde. Eh ben, avec sa conviction, il a fait comme Abraham Abino. Lorsque Nimrod, il a dit à Abraham Abino, j'ai toi. Il lui dit, j'ai toi et prosterne à mon Dieu. Abraham Abino dit, moi je prosterne qu'à ce Dieu. Il lui dit lequel? Celui qui a créé ton Dieu, celui qui a créé le monde. Et Abraham Abino, il a énervé Nimrod avec cette réponse. Qu'est-ce qu'il fait Nimrod? Il fait un grand feu, il dit à Abraham, alors, tu ne crois pas en mon Dieu? Alors je vois si ton Dieu peut te sauver. Il prend Abraham, il le jette dans le feu. Et le miracle, il arrive. Abraham ne brûle pas, il reste vivant. Là, Nimrod, il a compris qu'il y a Hachem. Mais il est resté Nimrod, il n'a pas changé. Parce qu'un homme qui veut changer et avoir l'émouna, c'est un travail. Celui qui est nerveux, on ne peut pas lui faire une bracha pour qu'il devienne calme. C'est un travail sur soi pour ne pas être nerveux. Celui qui est voleur, on ne peut pas faire une bracha pour lui pour qu'il arrête de voler. Il faut qu'il travaille sur lui. Les mauvaises qualités, il faut les travailler pour les enlever. Mes amis, pour croire en Dieu, c'est un travail. Il faut toujours voir Dieu en face. Et c'est comme ça qu'on peut croire en lui. On ne peut pas arriver à croire en Dieu en un seul coup. Non, c'est un travail qu'il faut faire. C'est une connexion. Tant que tu es connecté, tant que tu es branché, il y a l'électricité qui passe. Mais lorsque tu débranches, tu te déconnectes, c'est fini. Il n'y a plus de lumière. Tu veux créer la lumière, la connexion, branche-toi. Fais les mitzvot, mets Dieu dans ta tête. Eh bien, mes amis, ce que Avraham Abino, devant Nimrod, qu'il a montré qu'il croit qu'en Dieu, eh bien, c'est ce que Youssef il a fait. Lorsque Youssef a dit, il était en Égypte,
il n'avait pas honte de déclarer qu'il est juif. Il n'avait pas honte de son judaïsme. Les gens l'appelaient l'esclave, le juif esclave. Il leur disait présent. Lorsqu'il s'est mis devant Pharaon, lorsque Pharaon il avait fait un rêve, eh bien, Youssef HaTzadik, là, il voit deux solutions. Faire kavod à Pharaon, faire kavod à son Dieu, et lui expliquer le rêve. Et Youssef HaTzadik lui dit, Pharaon, ce rêve que tu as fait, c'est le Dieu, le Créateur du monde, qui te l'a mis dans la tête. Que ton Dieu, il est zéro. Les sept grosses vaches qui représentent ton Dieu, tes dieux, ils vont être dévorés par des petites vaches que tu ne pourras jamais même les vénérer. Ils sont tellement moches que tu auras honte de les vénérer. Ils vont être dévorés par... Mais c'est grave ce qu'il dit. Mais c'est grave. Il met pas en... Il met pas en colère. Il se met en danger. Youssef, il n'a pas peur. Il a dit, si par il a fait ce rêve-là, c'est que Hachem, il veut lui envoyer un message. C'est quoi le message? Les sept vaches grosses qui mangent que de l'abondance, tout ça qui sont grosses. Et ils ont mangé quoi? Du blé, de l'herbe. Et voilà, ils vont venir après sept vaches, sept années, qui vont être maigres, qui vont avaler les belles tiges. Et il y aura la famine. Il n'a pas eu peur de dire ça à Pharaon. Et à Kadosh Baruch Hu, il l'a fait. Est-ce que les paroles de Youssef ont été acceptées et il est devenu roi? Mes amis, je termine avec une belle histoire, elle est belle. Il y avait, mes amis, il y avait quelqu'un qui avait l'habitude toujours d'allumer la Hanouka. Et l'heure de, avant qu'il ait allumé le dimanche, ce fameux dimanche du mondial, eh ben, c'était avant d'allumer la Hanouka, il partit à la synagogue faire la prière. Alors, il sort de son travail et il voit que le bus, il n'arrivait pas tout de suite. Il a fait l'autostop. Quelqu'un s'est arrêté. Oui, ben, je vais, si ça ne vous dérange pas, je vais aller à tel endroit, à la synagogue. Mais à la synagogue, moi aussi, je vais à la synagogue. Le chauffeur, il s'arrête à côté d'une synagogue. Mais ce n'est pas la synagogue que notre monsieur, il cherchait. Bon, mais c'était lors de la prière. Il sort. Il rentre à la synagogue. À la sortie, après la prière, il y avait là-bas un stand. Il y avait un monsieur qui vend l'huile de Hanouka. L'huile d'olive pour allumer Hanouka. Il s'est rappelé, oulala, j'ai pas acheté l'huile, oulala. Il était content, il disait, bon, Hachem, moi je voulais prier à ma synagogue. Ben, le bon Dieu l'a fait que je suis venu prier ici, voilà, Baruch Hashem, pour, voilà, grâce à Dieu, là, je vais allumer la Hanouka ce soir avec la bonne huile. Oh là là, imagine-toi que, après la prière, je vais à la maison, c'est Hanouka, j'ai pas d'huile. Où je vais trouver l'huile? Une fois qu'il a acheté l'huile, il y a le chauffeur qui vient chez lui. Il lui dit, bon, on a prié, tu as acheté l'huile, et si vous voulez que je vous ramène là où je vous ai pris, ben je vais retourner par là-bas. Il lui a dit d'accord. Mais il lui a raconté. Il dit, bébête, c'est la providence divine. Moi, j'ai complètement oublié. J'ai une belle Hanouka et j'attendais la fête de Hanouka, mais j'ai pas d'huile et j'ai oublié qu'il fallait acheter d'huile. Et moi, je devais aller à la synagogue. Et toi, tu m'as amené au synagogue. Baruch Hashem, je suis content. J'ai acheté l'huile, mais non, j'ai prié. Et, bon Hachem, en voyant lui, je me suis rappelé que je n'ai pas d'huile. Donc, regardez mes amis. Lorsqu'un homme, il est connecté au bon Dieu, alors même s'il oublie quelque chose, le bon Dieu le rappelle. Regarde, ce monsieur-là, il a la Hanouka. Il a déjà préparé sa Hanouka, mais il a oublié l'huile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch Hu? Il a fait à ce que
il n'avait pas de voiture, est-ce qu'il n'y a pas de bus, est-ce qu'il y a une voiture qui arrive, il fait l'autostop, ce monsieur-là, il s'arrête, lui il va à la synagogue, au lieu qu'il le prend à la synagogue du monsieur, le propriétaire de la Hanouka, il le prend à la synagogue où il y va, parce que là-bas, il va trouver l'huile, parce que là-bas, il va voir le monsieur qui vend l'huile, il va se rappeler qu'il n'a pas acheté l'huile, il va acheter de l'huile, et puis le même monsieur qui le ramène là où il a pris, et il monte chez lui, il allume la Hanouka. Comment vous comprenez ça? C'est des milliards d'histoires qu'on vit tout le temps. Que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Amel Keratson. Voilà, n'oubliez pas une chose. La providence divine, lorsqu'on croit en Dieu, c'est Dieu qui t'ouvre les portes, première chose. C'est Hachem, il a ses calculs pour tout. Beaucoup de fois, on croit que c'est du mal qu'il nous fait, et de ce mal, il va sortir le bien. Beaucoup de fois, lorsqu'on se met entre les mains de Dieu, eh ben, on dit, Hachem, c'est toi qui dirige ma vie. Eh ben, il va bien diriger ta vie, et tu auras ce que tu veux. Voilà, mes amis. Voilà, c'est en deux mots, voilà, ce qui était l'inattendu, au lieu que tous les espoirs, ils sont perdus chez Youssef HaTzadik, on voit que non, le contraire. Youssef HaTzadik, en quelques secondes, est devenu le chef de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Dieu. Il met toujours Dieu en priorité. Celui qui a peur du bon Dieu et qui croit qu'en bon Dieu, le bon Dieu lui ouvre les portes. Le bon Dieu protège jamais.